Chiffre 3. Oh! 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 Max! Max! Bonjour à tous, c'est Lopol. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pack opening très spécial sur Brawl Stars les gars, puisque pour la première fois sur ma chaîne on va se regarder des pack opening des abonnés, voilà, que les abonnés m'ont envoyé. Donc si vous aussi voulez participer à la prochaine vidéo pack opening, envoyez moi vos pack opening à l'adresse leopoldbrawl1@gmail.com, et si la vidéo est trop grosse utilisez oui transfert. Donc sans plus attendre, c'est parti avec le pack opening de Trinox. Donc voilà, il a une petite boîte et 8 grosses boîtes. Donc voilà, il ouvre la petite boîte. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose dedans, franchement j'en sais rien, j'ai pas regardé avant. Ok, 10 Poco, bon, il n'aura eu rien de spécial dans celle-là. Il lui reste 8 grosses boîtes, ce qui est quand même pas mal. Allez, maintenant il va passer aux grosses boîtes. Ok, il a 3 objets restants. Je suis pas sûr que ce soit assez pour débloquer quelque chose. On va bien voir. 10 Dynamite. 11 Ricochet, ok. Pour le niveau 9, c'est pas mal. 13 Stick, donc non, il n'aura rien débloqué ici. Mais vous inquiétez pas, il reste encore 7 grosses boîtes. J'espère vraiment pour lui qu'il va débloquer un nouveau brawler. Le nombre de grosses boîtes qu'il a. A mon avis, je pense qu'il les a eu du championnat, je suis pas sûr. Ok, 20 Poco, toujours rien dans cette boîte. Un ticket. Après, je sais pas quel brawler il a et quel brawler il a pas. Allez, 8 Nita, 20 Colt et 30 Penny. Ok, bon, par contre, 2 objets restants. Ça, c'est pas mal, les petites gemmes là, ça fait toujours plaisir. Allez, 5 grosses boîtes, on espère vraiment qu'il débloquera quelque chose. 80 pièces. 20 Elisa. Allez, faut que ça clignote. Oh, ça clignote. Ça clignote, les gars. Oh, incroyable. Il débloque Spike. 2 sur 4, son deuxième brawler légendaire. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable, cette chance. Il débloque Spike dans une grosse boîte. Son deuxième brawler légendaire. Alors, je sais pas quel était son premier, mais c'est vraiment incroyable. Hein. Un Spike dans une grosse boîte, je pense que tout le monde... Bon. Même si Spike, c'est pas le meilleur brawler légendaire, je trouve. Il aura quand même eu de la chance. Allez, il enchaîne. Est-ce qu'il débloquera autre chose? 18 Rosa, ok. Allez, encore 2 grosses boîtes restantes. À moins qu'il achète une offre ou je sais pas. 3 objets restants, je pense que ça passera pas. Après, si un pouvoir star, ça serait pas mal. S'il a un brawler niveau 9. Ok, 12 Brock. C'est fini. On va passer au deuxième pack opening de Adam. Donc lui, il a plutôt l'inverse de l'autre. Donc lui, il manque pas mal de mythiques, en fait, toutes. Et il lui manque les 3 légendaires. Donc il y a Jack Orbach, je pense, du coup. Ou Spike. Après, Mortis, c'est pas un coup de cœur. Il aime pas Mortis. Je vais vous dire, Mortis, on peut faire des sales choses avec, mais j'aime pas. Ok, il voudrait voir Béa. Il voudrait avoir Spike. Et il voudrait avoir Monsieur M. Et Léon, je pense aussi. En tout cas, Léon, j'aimerais vraiment l'avoir. Il commence par les petites boîtes. Ok, il les ouvre assez vite. Donc j'espère qu'on aura le temps de voir quand même s'il débloque quelque chose. Et espérons pour lui qu'il débloquera un nouveau brawler. Voilà. Il avait l'air de vouloir Monsieur M. Enfin, Mr. P plutôt. Ok, il reste plus que 2 petites boîtes. Espérons vraiment qu'il débloque quelque chose. Bon, ça sera dans les grosses boîtes, dans celle-là. Ah non, il a en fait, il a aussi une méga boîte. Ok, j'avais pas vu. Allez, on est de tout cœur avec lui. Je pense qu'il débloquera dans les grosses boîtes, j'en sais rien. Quelque chose me dit dans les grosses boîtes. Ok, 3 objets, je sais pas si ça peut le faire. Oh, ça clignote. Ça clignote, les gars. Qu'est-ce qu'il débloque? Qu'est-ce qu'il débloque? Oh, il débloque Max. Bon. On a eu Max, les gars. Max. Oh, il est tellement content. Il est tellement content. Oh, Max! Ah, super. C'est vraiment super pour lui. Bon, Max, moi, à sa place, j'aurais préféré avoir Tara. Ah, mais non, je crois que Tara, il l'a déjà. Non, Max, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, tout le monde... Enfin, les deux pack opening, on a débloqué un brawler dans une grosse boîte. Voilà. Donc, il lui reste la méga boîte. Je sais pas s'il va l'ouvrir. Trop beau. Il l'ouvre. Oh, on a une de ses chances. Allez, on espère le chiffre 6. Chiffre 6. Allez, chiffre 6 pour lui. Allez, les gars.
J'espère le chiffre 6. Allez, est-ce qu'il va y avoir le chiffre 6? Oh non, Ah, dommage. non, chiffre 5. 5. Bon, je pense pas qu'il y aura quelque 8 chose du coup. Mike, 9 Tara, 9 9 Korbach, Korbach, 54 Rosa 54 Rosa et et 55 de Jean. 55 Bon, au moins il aurait eu Max, c'est le principal. On peut être content pour lui. Allez, on va passer au dernier pack opening de l'abonné. Après, on va passer à mon pack opening à moi. Donc, oh, je sais même pas qui c'est qui m'a envoyé. Il a 6 objets. 6 objets. J'espère que pour lui qu'il va débloquer un nouveau brawler. Ou un Star Power, je sais pas du tout. Je sais même pas qui me l'a envoyé celui-là. De toute façon, vous aurez tous les auteurs des packs opening dans la description. Et regardez, ça clignote! Ça clignote! Oh, il débloque BA! Il débloque BA! Ah, je suis vraiment content pour lui. Il a tous les brawlers épiques. Vraiment GG à lui. Donc, le pack opening des abonnés est terminé. On va maintenant passer à mon pack opening à moi. Donc, je vous rappelle, si vous voulez passer en vidéo, envoyez-moi vos pack opening à l'adresse qui s'affiche. Mais il faut bien évidemment que vous débloquiez quelque chose, pardon, si vous voulez passer en vidéo. Allez, on va commencer avec l'ouverture des petites boîtes. On va y aller doucement. Voilà, déjà 120 pièces, ça fait super plaisir pour après m'acheter un pouvoir star parce que j'ai tous mes brawlers niveau 9 en fait. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, hein, je peux clairement plus en améliorer. Donc là, voilà, l'or qui va me rester, voilà. Dès que j'aurai 2000 d'or, bah, je pourrai acheter un pouvoir star dans le shop. Mais là, comme aujourd'hui, bah, j'ai pas de pouvoir star à acheter, bah, ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, si on peut se faire de l'or et après débloquer un brawler, ça serait vraiment génial. Ok, on a déjà ouvert 6 box, on est déjà à 1300 d'or. Allez, on continue. 114 pièces, 3 gemmes. heures encore, ça fait super plaisir. On est déjà 1600 d'or, ça gagne. Oh, un pouvoir star! Un pouvoir star, celui de Daryl. Bah, je suis très content de l'avoir en vrai. Parce que l'autre, il a été vraiment bien nerf là, l'anneau de fer. Il était vraiment bien bien nerf, donc là ça me fait plaisir d'avoir celui-là. Bon, malheureusement, c'est pas celui que j'aurais voulu le plus avoir. Parce qu'il y a plein de brawlers que je peux pas encore jouer en marathon star et dont j'aurais bien voulu avoir les pouvoirs stars, mais c'est pas grave, je vais pas m'en plaindre. Voilà, c'est toujours un pouvoir star de gagner, hein. Je trouve que c'est vraiment un très petit pack opening. Donc voilà, si je débloque quelque chose, je suis déjà très très content. Alors après, est-ce qu'on peut encore se débloquer des pouvoirs stars? Bah écoutez, j'espère avoir de la chance. Sachant que mon dernier pack opening, j'ai vraiment eu aucune chance. Enfin, j'avais aussi débloqué un pouvoir star, mais le nombre de box que j'avais ouvert, c'est vrai que j'étais vraiment pas du tout chanceux, hein. Allez, il reste une 17 petites boîtes. 50 pièces, les tickets, ça fait toujours plaisir. Voilà, vu que j'ai tout dépensé en robot à gogo. Voilà, encore un ticket. Bon, même si je préférerais avoir des gemmes ou des doubleurs. Alors, l'heure, ça varie vraiment énormément entre les box. Voilà, on est à 2500 d'or. Donc là, je pourrais m'acheter un pouvoir star s'il y en a un sapin dans le, sympa dans le shop, pardon. Oh! Oh, elle est incroyable cette boîte. Elle était incroyable. J'ai eu 100 or et 12 gemmes. 100 or et 12 gemmes, c'était la meilleure petite boîte que j'ai jamais ouverte là. Ah, celle-là elle m'a mis bien. Oh là là, mais c'est quoi ces boîtes là? 100, 99 pièces et 5 gemmes, c'est super! On a déjà 59 gemmes. Je suis super content. Ok, 57 pièces. On va arriver quasiment, je pense qu'on ouais, on va arriver à 3000 d'or. Et parfait, 200 doubleurs de chong, donc ça me fait 200 boîtes en plus. Enfin, 2 boîtes en plus, pardon. Allez, il reste quelques petites boîtes à ouvrir. Non, on va pas passer les 3000 d'or. Voilà, 135 pièces, parfait. On arrive à 3000 d'or. Alors, je sais pas si on arrivera à 4000 à la fin du pack opening. Allez, un deuxième star pouvoir, ça serait pas mal. Bon. J'espère ne pas en débloquer qu'un seul, hein. Après, voilà, je peux rien prédire. Ok, donc là, les petites boîtes ont toutes été ouvertes. On est à quasiment 3500 pièces, donc je me suis bien mis en pièces quand même. On va s'ouvrir la grosse boîte. Allez, un objet restant. Non. Bon, 158 pièces. On est à 3600 or. Et on va s'acheter les deux grosses. Enfin, la grosse boîte et la méga boîte. Voilà, si on peut choper un pouvoir star, bah, c'est toujours ça de prix. Allez, 3, 2, 1. Il faut un objet bonus restant, les gars. Ok, bon. Encore 151 pièces. Les deux boîtes étaient identiques. Bon, on va passer à la dernière boîte. Voilà, la méga boîte. Ah, mon pourcent de tâche de légendaire a augmenté. Hein. On était à 0,1757, je crois. On est à 0,1807. Est-ce qu'on va débloquer une légendaire? 3, 2, 1. Allez, il faut un objet restant pour débloquer quelque chose. Un objet restant. Bon, malheureusement, on débloquera rien. 500 pièces, par contre, ça, c'est énorme. Et on a deux bonus. Allez, des gemmes.
Si j'aime. Bon, elle est pas dégueulasse cette boîte. On va quand même débloquer qu'un Star Power. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà. Bon, c'était assez court, on aura quand même débloqué un Star Power. J'espère que vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et le prochain live. Ciao à tous.